est ressuscité, il habite en nos cœurs par la foi. Père, tu l'as glorifié, ta force en lui s'est déployée. Il s'est levé d'entre les morts, de nous tu fais son corps vivant pour ton amour. Et nous proclamons notre foi en rendant grâce au ressuscité du troisième jour. Nous proclamons notre foi en rendant grâce pour notre cher pays, cette nation du Sénégal. Nous proclamons notre foi et nous rendons grâce à Dieu pour tout le peuple sénégalais, pour tous les citoyens du Sénégal, pour nos autorités, les autorités de ce pays. Et nous sommes réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. En ce matin, encore une joie de nous retrouver. En ce matin 4 avril, où nous fêtons l'indépendance du Sénégal, nous voulons tout simplement bénir le nom du Seigneur pour cette nation. Dis merci à Dieu pour cette terre sénégalaise. Dis merci à Dieu pour le peuple sénégalais. Dis merci à Dieu pour nos autorités, les autorités que lui-même a choisies pour diriger ce pays. Nous voulons tout simplement proclamer les hauts faits de notre Seigneur sur cette terre bénie du Sénégal, sur cette nation du Sénégal, sur tout le peuple sénégalais et toutes ces personnes-là qui y vivent. Dis merci à Dieu pour la paix qu'il vient redonner encore à cette nation, pour la tolérance, pour la joie, pour l'amour encore qu'il vient remettre dans les familles au sein de cette nation, pour cette joie encore, la joie de sa résurrection qui vient encore taper fort sur cette nation sénégalaise. Alors bien-aimé de Dieu, de là où tu es, je te souhaite une très bonne fête de l'indépendance du Sénégal. À tous les Sénégalais, une très bonne fête. Et avec les Sénégalais, et avec tous nos frères, avec tous nos sœurs, nous voulons tout simplement élever la voix pour dire merci à Dieu pour ce pays. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il permet sur cette terre, pour tout ce qu'il permet dans cette nation. Lui dis merci parce que tout simplement, de par sa résurrection, il vient encore faire sortir cette nation qui était fermée, que l'ennemi avait certainement voulu fermer. Faire sortir le peuple sénégalais de ses différents tombeaux. Voilà pourquoi par ce cantique, par ce chant, nous voulons tout simplement dire à Dieu que le Sénégal a été bâti en lui. Lui dit tout simplement que nous lui donnons le Sénégal, tous ceux qui y vivent, les autorités, le peuple sénégalais, pour que lui-même puisse en faire ce qu'il veut, que ce soit son agir qui résonne sur cette terre sénégalaise et sur tout le peuple du Sénégal. Amen. D'annoncer tes merveilles.
Nous voulons exprimer par toute notre vie la joie de ta résurrection que nous célébrons particulièrement en ce jour pour notre chère patrie, pour notre nation, pour cette terre bénie du Sénégal. Proclamez ta résurrection dans tous les contrées du Sénégal. Proclamez ta résurrection dans toutes les maisons du Sénégal. Proclamez ta résurrection, la posséder comme il le faut dans tous les foyers sénégalais. Proclamez ta résurrection sur tous les enfants, sur tous ceux qui vivent sur cette terre du Sénégal. Que nous célébrons, que nous puissions véritablement te célébrer, que nous puissions véritablement être dans cette harmonie avec toi, éternel Dieu des armées. Donne-nous à chacun de nous de pouvoir continuer à accueillir au sein de nos familles, au sein de nos maisons, au sein de nos foyers, ta joie, ton amour, ta miséricorde et ton allégresse. Que les fruits de ta résurrection, éternel Dieu des armées, résonne pleinement sur cette terre du Sénégal, résonne pleinement dans toutes les maisons et dans tous les foyers au Sénégal. Que ta présence, Jésus-Christ, toi qui es vainqueur de la tombe, vainqueur de l'enfer, que tu viennes encore enlever tout ce qui était tristesse, tout ce qui était amertume, tout ce qui était encore malentendu, tout ce qui était colère au sein de nos familles, que ta résurrection vienne balayer tout cela et enlever tout cela. Voilà ce que nous te demandons en ce matin, éternel Dieu. Moi j'ai bâti sur le rocher. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis ton roi. Peuple sénégalais, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Toutes les maisons du Sénégal, souvenez-vous de l'amour de Dieu et bénissez le nom du roi des rois. Éternel Dieu des armées, en ce matin, nous te prions par ta résurrection que tu viennes encore redonner un autre visage à cette terre bénie du Sénégal. Que tu viennes redonner un autre parfum à cette nation. Que tu viennes redonner un autre parfum à tous ceux qui vivent sur cette terre sénégalaise. Que tu viennes encore, par ta grâce, par tes meurtres sur ta compassion, redonner une autre image à cette terre, à tous ceux qui y vivent. Redonner encore une autre joie,
purifier encore l'amour que tu avais déjà mis en chacun de nous. Purifier cette joie que tu avais déversée sur cette terre sénégalaise, que tu viennes encore la purifier, afin que nous soyons davantage vrais en toi, vrais dans ce que nous faisons au travers toi pour le prochain, que nous soyons véritablement à ton image, à toi, à ton image, à toi, assisté de tous les saints, assisté de tous nos anges gardiens, particulièrement l'ange gardien de ce pays, le Sénégal, et le saint patron, ou du moins les saints patrons de cette terre bénie du Sénégal. Alors bien-aimé, de là où tu es, continue de proclamer des bénédictions pour cette terre bénie du Sénégal. Ne te dis pas, je ne suis pas sénégalais, je ne le ferai pas. Dieu écoute tous les cœurs, Dieu entend le cri et le soupir de nos âmes. Alors lève-toi et proclame des bénédictions pour cette terre sénégalaise. Proclame des bénédictions, proclame les bienfaits du Seigneur pour cette terre bénie du Sénégal en ce jour où nous fêtons l'indépendance. Et c'est dans cette harmonie, dans cette communion, dans cet amour, dans cette joie que je te souhaite de passer une excellente et sainte journée dans la présence du ressuscité, du troisième jour vainqueur de la tombe, vainqueur de nos vies. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.